Ah ben, donc là, nous, oui, sur Radio CNFM, 90.5 FM stéréo, donc ça c'est émission pour la bon signal. Je dis à nous charger qu'on les bas, madame, monsieur, mais nous allons regarder, donc, nous allons regarder qui maximum de points que nous sommes capables de prendre, donc pratiquement, donc matin, donc jeudi, mercredi, 29 mars 2017. Nous allons saluer l'équipe Glaçon Vert qui voyait breakfast pour nous matin, monsieur. Donc c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Et ça n'a pas mangé là matin là, c'est vraiment bon. Donc ou même qui c'est auditeur sur l'FM, eh bien nous conseillons pour passer pour un déjeuner. Et également pour un lunch. Donc dans Glaçon Vert, lui exactement en bas baraque là. Donc dans angle rue Grégoire à Pétionville, avec rue l'ouverture, lui exactement en bas baraque là. Vous pouvez brûler pour commander, vous capable de délivrer et dans le bureau sans problème. Donc dans 28-12-77-07. Jean-Pierre, vous-même qui c'est chef, il compte faire manger, mais soit manger très bon là, comme prochain. Comme petit déjeuner. Comme dit dans l'Équateur à Quito. Yeah. On dit du riz là. Non, vraiment bon. Vraiment bon. C'est Quito manger. Non, vraiment bon. Vraiment bon. On dit jus betterave. Alors, il faut me dire que. Jus betterave, c'est nature. Il y a côté radio là, glaçon vert, moi-même, parce que c'est bien à boire avec crème, ben, on ça. Non, on a eu très bien. Il y a vraiment gagné un bon menu. Ok? Donc, pour un bon déjeuner. C'est un bon signal, lui, quoi. Et pour un lunch. Et on va parler pour la manger, non, chef là. Oh, si manger un goût. Pour un lunch. Donc, je suis capable d'aller dans Glaçon Vert. Lui, dans Angle Rue Grégoire, à Pétionville, avec rue l'ouverture. Vous capable briller pour commande, vous capable à le délivrer. Alors, il faut me dire que jus betterave, ça m'a boué là, on se betterave naturel. Qui est hein? qui agrémenté de même gingembre. Même bon jus pour sol qui est très bon là. Qui est agrémenté de gingembre. Ouais, super. Il y a monde qui fait grippe. Bon, par contre, tout ça encore, mais. Alors, c'est betterave avec gingembre. Betterave et gingembre. Supérieur, à grande personne. Je suppose que le bon, hein. Bon, bon. Ok, donc, vous capable briller pour commande. 28-12-77-07, donc c'est Glaçon Vert, il n'y a pas le porter, et commandant, en fait, il n'y a pas le livril, donc dans le bureau, la caillou sans problème. En tout cas, nous recommandons Glaçon Vert, donc c'est Angle Rue Grégoire à Pétionville et où l'ouverture, donc pour déjeuner, pour lunch, et donc chaque jour, du lundi à samedi. En tout cas, deuxième point de bagarre dans l'émission, ça, c'est monsieur Haïti voté. Non, OEA. Alors, faut qu'on tienne par être là. Oui, avec Venezuela. Haïti. Même t'as dit qu'ils ont Haïti t'a voté. Haïti voté. Nous t'es nuancé. Haïti voté. Donc, en faveur du Venezuela. Pour le rester en dans OEA. Pour le rester en dans OEA. Les conséquences. Alors, c'est un instant qu'ils ont dit. Ça, c'était pour, justement. Ou après que le sénateur Rubio, le sénateur de la Floride, il a une campagne, il a mené même. OK? Pour Haïti t'a voté contre le Venezuela. La République dominicaine t'a voté contre Venezuela. Pour Salvador t'a voté contre et Venezuela. Et parce que nous combattons là déjà entre les États-Unis et le Venezuela. Donc Haïti voté hier soir en faveur du Venezuela. Et nous allons moi, lorsqu'on dit même qui t'a suivi, donc tous les débats, séances là, il y a mis les fenêtres, moi, lorsqu'on là pour nous. Monsieur, avec moi, lorsque nous allons regarder. Et bien, entre temps, je veux saluer Wilfried Jean-Baptiste depuis Boyton, Miami. Il y a Paolo Saint-Iman, Pernet qui branché. Il y a Gerville Jean-Hugues depuis Paris, qui fait un connu branché. Et puis, tout le Chili a branché. Et puis, Johnny Walker, États-Unis. Nous allons faire contact avec moi, lorsque. Et contactez moi, lorsque pour nous d'abri. Et Yamile. Donc, sur question et OEA. Parce que vraiment, son vote, Mgadi, est-ce que son vote pour en faveur du peuple vénézuélien ou bien en faveur de Maduro? Mais c'était Maduro, lié, m'a bon, menti, ça pas de vaut la peine, parce que monsieur a pile problème donc, au Venezuela. Mais Haïti, toujours dit, hein, tout Haïtien pratiquement qui a regardé, qui a suivi comment nous hier, sur question ça, donc dans l'émission Bon Signal, et tout le monde était pour que Haïti ait voté, pratiquement pour le Venezuela, vu nous connaissons tout moralement, relations qui gagnent entre Haïti et le Venezuela. Et je dis, hein, il a parti, j'en parle, un petit peu. Indécent. Inélégant. Inélégant, tout. Ok, côté que je dis, Haïti, doit le Venezuela, on a payé presque 10 millions de dollars, nous avons payé presque 10 millions de dollars par mois, dans la dette pétro-caribé. Et je dis, en face aux États-Unis d'Amérique, que les Américains, j'aime bien Haïti comme ça, 2 milliards de dollars. Et puis, je non, monsieur. Ok, 2000 dollars. Donc, en tout cas, votre là, l'idée voulait dire ça, voulait dire, et il faut nous étendre les conséquences qu'on y a. Ah, bien, conséquences, c'est sûr. Là, fait contact avec moi, donc, pour détailler sur question. Et
et dans une situation comme ça, je crois comme ça, il y a deux façons d'analyser le Gochen, Jean-Pierre. C'est que moralement, économiquement, Haïti a un paquet de redevances envers Venezuela. Ouais. Mais elle garde tout par rapport à ça, des gens, comme Rubio, sénateur Rubio, comme position États-Unis, sénat américain, surtout à travers Rubio, t'es voyez sous Venezuela par rapport avec Yoel comme on a posté on est à trafiquant qui a fait droit qui a vendu droit il est à grand pile corruption surtout dans l'administration Maduro. Donc si qu'on comme ça Haïti vote pour Venezuela été c'est pas mauvais mais qu'on a regardé conséquences ça t'avait dit par ricochet que où sont l'État qui d'accord avec l'État que grand puissance dans la région t'allez dit que il y a drogue il y a corruption et que ça avait dit par ricochet implicitement que ou aborder dans ce sens. Et c'est sûr que son vote qui a pile importance, puisque le pays a accompagné les deux, mais il regarde tout en termes de conséquences qui a néfaste sur nous, du point de vue géopolitique, du point de vue diplomatique et du point de vue économique, tout. L'intérêt des comptes des États-Unis dans la région là qui est très puissant et la montée de la droite très importante pour nous. Cela ne va pas rester sans conséquences. Ça fait, ça fait nous les souliers. Mais hier, songez, il m'a dit, alors on a fait contact à Molo Scott, songez, il m'a dit dans l'émission, dans les Nations Unies, dans l'OEA, ces pays n'ont pas le droit de voter. Le droit de voter est toujours violé. Ils ont toujours voté en fonction des intérêts de la puissance. Ça veut dire que je dis, vote Haïti fait et en faveur Venezuela, pas mettre dans la tête comme si son vote l'y fait de façon délibérée. Non. Haïti doit faire vote ça parce que les grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, pas de problème qu'ils votent comme ça. Ça a son possibilité. Et gain droit vote ça c'est justement une mise en garde il t'a pas le faire sous Venezuela puis il dit écoutez mais ça arrive à l'avenir hein son sorte de dissuasion son sorte de épée de Damoclès parce que même si mon quoi est fondamentalement mon pas arrêter ça dans l'esprit si États-Unis étaient véritablement pour Haïti de voter contre Haïti t'a voté contre je suis d'accord donc gardez les câbles discours ambassadeur haïtien le moment est grave ça veut dire que quelque part et vote là heureusement bien content tout Haïti il vote dans ce sens ça nous avons une relevance morale Venezuela tout il y a de grands rapports économiques avec les États-Unis surtout ceux qui sont gaz là tout à fait donc mettez le d'ailleurs ça va le dire on va le mettre en quarantaine et ça va le dire tout les gars souffrent par rapport à d'autres états si vous mais faut pas mais l'autre état doit souffrir tout faut pas la conséquence tout oui mais c'est clair c'est faut dire c'est pour nous d'abri amener donc nous parler avec Molo Scott lui même qui te suivait toutes les séances là est en ligne et qui est déjà avec nous oui Molo Scott comment est merci très bien et au cas senti que voix Molo Scott dit qu'il est rentré à Haïti OK nous sous dossier OEA sous vote haïtien. Et où t'as suivi tout le débat hier soir? Et quel moment qui t'a plus attiré l'attention? Monsieur, excusez-moi, c'est pour la première fois que je fais ça, je fais là, je vous dis. Excusez-moi. Eh bien. Je vais parler en qualité de mon haïtien, et droit à l'aventure Ernest. Et tout à l'heure, les journalistes là. Je vais profiter, remercier, parce que je ne suis pas comme représentant Haïti, qui n'en est pas. Et ni, par ton ami tout personnel de président Jovenel Moïse. Ce monde que je rencontré ici, nous fait connaissance, et au moins trois fois, nous parler. Et je pas concours et ça tout de Haïti. Je suis fier. Hier soir, c'est un suspense hier. On a essayé de garder cette clone en yeux pour se passer hier là. Mais, il y a une conséquence. C'est clair. N'a pas rappelé à l'auditeur qui a fait suivre là. Ma baille textuellement bref, ça passe là. C'est que les États-Unis, normalement, déclaraient que président pays Venezuela, monsieur son dictateur, monsieur son cap crasé brisé, monsieur pas respecté les droits humains. Autorité américaine, nous rappelons que OEA, il dépend normalement. Était structurel en 1948. Et le ça, depuis 1948 là, Haïti fait part de l'OEA, qui organisation des États américains. Et là-dedans, tout, où vient en 1951, il vient légaliser. Et dans l'OEA, il y a quatre langues que vous parlez. C'est l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. Mais ça qui arrivait. Hier, les représentants haïtiens arrivés, normalement, on est à la Chita,
tout le pays là. Et puis là, monsieur Gade, il y a une feuille de route là. Il y a une feuille de route là en trois langues. Il n'y a pas baillé en français. Ah bon? Monsieur Campé, il dit que Campé, c'est ensemble nous. Nous, c'est parti d'écran, surtout de OEA. Ça va qu'à faire pour la transmission en français. Mais, n'a pas rappelé que gagne un sénateur, comme Loukou se parle de ça là, Marco Rubio, qui lui même du côté pâle, qui proche président américain Donald Trump, lui déclarait que il n'y a pas de problème pour Haïti, je ne sais plus, parce qu'à partir du 22 juillet, tout le monde qui était supposé avoir une récipitation, le monde ça a eu des difficultés. Mais seule façon, c'est réellement le gouvernement Nouyo, la oppression pour voter contre le Venezuela. Parce que pour qui ça? Venezuela, c'est retiré de normalement de OEA, pour ne pas faire partie de OEA encore. C'est trois pays visés. Le Salvador, Haïti, Santo Domingo. Et aussi que un pays qui rebelle, que qu'on est capable d'accepter, c'est Haïti. Comme le président qui est capable de gagner, qui est capable de supporter lui, et bien dans le contexte ça, et bien le président ça a lui-même de côté pâle, à savoir le président Jovenel Moïse, et aussi que la peine montée, lui qui a eu un problème de finance, c'est certain que là-bas est votre l'IA. Bonne question. Oui. Dans quel sens Dominicani voté ensemble avec Salvador? Bon, Dominicani même lui fait un ratement de souffler. Parce qu'on est que Dominicani, pour Caraïbes, c'est lui-même qui est responsable presque tout pays Caraïbes là. Parce que si les États-Unis vont bailler le bras fait, c'est en Dominicani que lui-même de Koudaï ou Fazifel. Dominicani n'est pas ni figue ni raisin. Il a simplement dit qu'eux-mêmes, ils ont réfléchi, ils ont dit qu'eux-mêmes, ils sont pro les États-Unis. Il vote contre le Venezuela. Oui, je dis, pas qu'à courir comme ça pour prendre une décision contre les États-Unis. Mais Haïti même paraît, Haïti dit non. Haïti dit que c'est fréquentité ça, mais pas Haïti tu as. Et ça fait que m'espérer que ambassadeur ou représentant que nous avons là, l'aile à Haïti, si nous cabalons bouquet fleur Balil. En fait, Jean-Baptiste. Haïti. Parce que ça, monsieur fait hier là, eh bien, il tremblait le monde. Ok. Et monsieur lui-même, nous n'avons pas le droit de boire, non, monsieur, parce que monsieur est très important. Envers Jean-Baptiste. Le type, il a la personnalité et dignité. Monsieur dit que nous pas qu'à la baisser, non, devant l'autre pays, qui eux-mêmes, est-ce que démocratie, c'est ça que lié, pour isoler un pays, pour faire la dictature, comment capable. Ils ont le pays où elle dit qu'il y a besoin de démocratie dans le pays. C'est le dialogue qui peut exister. Mais, hier, après le porte-parole à la présidence, monsieur le porte-parole, fin parler, les États-Unis vexés. Nous parlons tout ça qui va passer là à Bordel. Est-ce qu'on peut attendre? On allait qu'on est sous conséquence, on allait. Mettre parler. Actuellement, Jacques Caminos a déclaré que l'a sorti là dans 6 mois, il a sorti avant 6 mois. Ok. Deuxième étape là, si le président Jovenel Moïse parcourit, écrit l'international sur l'armement, parce qu'on est que Haïti, bon, quand police va être en armée, quand police là, les limités, il n'y a des armes que pas gagner, il n'y a pas gagner que 47, il n'y a pas gagner. T65, il n'y a pas de gagner ou M14, il n'y a pas de gagner un type de zame loussaïo. Et qu'on y a là, Haïti prend ses face, parce que par l'armée, nous ne pouvons pas aux zames sous nous déjà. Le président Jovenel Moïse et le premier ministre, ils ont obligé de commencer à écrire là, avant 6 mois arrivés. Je vous dis que face à ce qui va passer à Haïti là, nous ne pas cacher dans quoi. Il faut que nous avons accès, parce que qu'on est que international normalement, dès que vous êtes en bas moi. Si vous mettez ces âmes loups ou Albaï à policier, eh bien, vous pouvez isoler Haïti. Dans le point ça, hier soir, les États-Unis ont décidé, par entreprise autorité, pour contrôler Haïti là, parce que, ou déclarer que le plan travaille avec le Sénat, pour être capable vraiment isoler Haïti. Ok. Ils ont laissé
San Salvador. Parce que Kounia là, Venezuela lui-même de côté parle, parce que yo mandé, il y a un monde qui font ingérence là tout. Normalement, qui est-ce qui fait la plus grosse ingérence qui existe, qui est avec le support des États-Unis? Eh bien, c'est le secrétaire général OEA, Organisation des États américains, M. Luis Almagro, M. déclaré, dans les jours à venir, l'IPRAL retire le gouvernement sa remplaçant là. Ça me dit, madame. À savoir, le pays Venezuela. Ok, très bien. Maduro. Je dis que l'IPRAL fait tout ça qui existait. Autorité américaine a déclaré que pas le travail sous ça là. Quel problème Haïti va bien là, bon. Monsieur, Haïti nous fasse très dangereux. Pendant que le Parlement haïtien est donc capable de voir qui s'est passé dans le Parlement, parce que présenter le Parlement haïtien, comme un Parlement qui lui-même, la majorité parlementaire, c'est un droit de dire que vous taillez. Et dès que États-Unis a arrangé comme ça, ou pas le patron de visa, il pourra le mettre en face la police là. Mais ça ne peut pas passer là, dans le jour qu'il y a. Ok, mais là, il est clair que mon qui est États-Unis, au capitaine d'émission ça là, qui a un TPS, il a plus de chance pour TPS à ne pas renouveler. Bon, parce que Macron lui a déclaré que l'ITRE explose avec le président de la Trump. Et je demandais à tout Haïtien, rien les parents nous, dit que pour Haïti voter contre le Venezuela. Et d'après les autorités américaines, aujourd'hui, elle a déclaré que c'est la plus grosse déception pour nous Haïti. C'est la plus grosse crainte que vous avez. Ils prennent nous Haïti là parce qu'il y a pas aide à Haïti, il n'y a pas manger, il n'y a pas de il n'y a pas de frais. Et puis, il est encadré. C'est des sections, ça nous prend. Normalement, le président Jovenel Moïse, qui, au moment où on parlait à voilà là, mon cher, Haïti craqué par la CTV, ou pas? Ok. Haïti craqué par la CTV, ou pas? Nous ne pouvons pas de la qui que ce soit. Non, clair, clair, clair. Nous ne pouvons pas de la monde, président, lui pas anonyme. Nous nous rencontrons ici trois fois, nous parler. Mais, monsieur son homme, si Haïti est arrivé dans le président, je pense que le président Préval, longtemps, c'est décidément qu'il trahit Cuba. Il faut donc que ça pile l'orbite fait. Mais soit ça, nous avons dit que Jovenel Moïse, il est un grand président. Avec le majuscule, parce que leur camp est devant les États-Unis, là, papa. Très bien. Non. Pas pour qu'on dit ça, non. C'est pour qu'on ait acte qui commette là, acte qui fait là. Ça va suffire pour un grand président. C'est son gros geste. Mais ça va faire des grands présidents. Grand président, c'est très bien fait. Analyse séquentielle. Non, mais son résultat, c'est important tout. Monsieur, l'homme en face, les États-Unis, comme la plus grande puissance à travers le monde, ou qu'à camper pour dire non. Non, ça n'est pas un retenant, monsieur. Non, son gros décision. Son gros décision. Une bonne décision. Ça ne fait pas de Jovenel Moïse. Un grand président et résultat. Non, j'ai courage. Il a le courage. Et pour rappeler, ça fait deuxième fois faire l'histoire. Avant 1945, dans la deuxième guerre mondiale, t'es gagné aux majorités pays qui étaient peints à leur fixer d'après de ça. C'est que Heinrich Himmler, qui était le proche de Adolf Hitler, monsieur, il a essayé, voilà, Adolf Hitler, c'était conquérir le monde. Haïti a été le seul pays, qui arrivait non point, côté que l'allée, il déclarait la guerre à l'Allemagne. Et si nous rappelons, l'air que l'Abdadé n'a pas pris, et le ça, nous rappelons, nous fait l'histoire dans ce sens-là. Oui, mais c'est les États-Unis qui te mettent pression sur les laissés. L'ESCO que tu as dirigé, c'est ton interface des États-Unis. Il faut comprendre ça pour l'auditeur. C'est ton interface, c'est ton tchoul. Oui, mais. Il faut dire ça pour l'auditeur, il faut comprendre ça. Mais nous, t'es fait l'histoire quand même. Parce que t'es il et hier encore, devant l'OEA. Mais qu'est-ce que cela nous. Qui ça a nous comme garantie? Nous faisons l'histoire, nous prenons l'indépendance, nous inventons mon liberté, etc. Monsieur, attends. Dans le monde, la personnalité, c'est plus grosse force qui existait. Même là, mon riche, même là, tomber, ou pas à tomber à genouiller. Haïti, son petit pays, il y est vraiment. Et dans le moment, ça, tout ça qui va le passer contre
Haïti là, je pense que ça va avoir grosse conséquence là. Normalement, moi-même, moi faire aller là pour me capable de dire que je vais me questionner les gens qui ont passé là, mais conséquences sont graves vraiment. Il est grave. Nous avons anticipé ça. Lui qui a grave, 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 Jean Kenotil, moi remercie parce que nous avons accès à nous faire l'information pour que tu comprennes. Et je pense que c'est important pour tout le monde qui a suivi là. Moi je dis merci. Très bien, très bien. Avant d'aller, Monoscott, et qui l'a joué nous en Haïti, qui l'a tout en Haïti là, qui l'a joué? Mon cher, comme nouveau gouvernement, ça a monté, je n'ai pas de passeport. Je n'ai passé 3 ans et demi là sans passeport. Je n'ai pas ni haïtien ni américain. Ils sont abattus. Non, non, j'ai toujours un mari passeport, non. C'est le gouvernement qui monte là que je prends le passeport. Parce que je prends le passeport, je dis que je parle de roi, non, comme je suis là, ici, qui dit pas remettre mon passeport. Et depuis là, passeport bloqué, je parle le passeport, et c'est comme ça que je suis obligé d'écrire, maître de ton léger. C'est-à-dire que si j'ai pris un dossier, qui ça me gagne, et lui, mon jugement, il dit que je n'ai rien contre mon Scott. Mais les mots de Washington, Washington dit non, il n'y a pas d'accès au monde qui dit bloqué passeport. C'est pour nous qu'il y a un passeport. Alors, il faut qu'on ait que Amaral et il bloqué passeport, monsieur Tour. Il dit, monsieur, aucun document de voyage. Il a largué mission en France. Monsieur m'a détourné la carrière. Ils sont SDF, sans domicile fixe. C'est un pays fixe. SPF. C'est un pays fixe. En Haïti, mais ça gagne. En Haïti, il y a un travail. Et si ça va pas, si vous avez un dossier sale en Haïti, mais vous avez un sale déjà, oui. C'est parce que moi-même tout dire ça, manquant, je ne pas de cap baisser devant qui que ce soit. Il y a des ébauches qui sont tic-cap tout, moi, le scot. Hein? Il y a des ébauches qui sont tic-cap tout. Tic-cap rose. Tic-cap rose, là. Et ça, faut qu'il te paye à tout. Pour monter votre âme, pour monter des douanes, bah, la douane. Mais autorité, son autorité, bien. Autorité, bah, les chouettes, non, la donne, papa. C'est son autorité, ou votre autorité, oui. C'est ça, l'idée. Je ne vais pas dire arrêter cette illégale. Et son équipe n'a quitté mon Jean-Jaloux. Parce que je suis l'ami du président et mon squad sur la Baden. Très bien. Parce que nous des gros amis. Le président Michel Martelly, son ami à moi-même, même pas ton employé, vous président Martelly. Très bien. En tout cas, n'apprêtons-nous mon squad, ok? Dégagez-vous, faites passeport vous, n'apprêtons-nous. C'est ton plaisir, merci. Mais sans pile, sur un rapport passeport, mettre en feuille de route. Ne vous rentrez. Très bien. Ok. Merci. Alors, mon détail, nous avons mentionné là que nous déclarons la guerre à l'Allemagne, en forme de que le président de l'ESCO déclarait la guerre à l'Allemagne. Pendant que nous avons cherché contre Haïti, tête qu'on parle sur Haïti, et puis dit je ferai d'Haïti ma porcherie. Effectivement, on est devenu une porcherie. Bon, en tout cas. Mais ça nous a coûté cher, hein, parce que l'époque, ça, l'un déclaré la guerre à l'Allemagne, Haïti était producteur de citrus, de tous les produits et agrumes. Et puis, ils ont fait couper tout pied bois, orange, etc. Orange Floride, là, ça a été sorti, nous prenons ça. Et puis, ils ont fait une plante pit dans la place. Et puis, entre-temps, pendant la guerre, on a besoin de code pour faire bateau. Vous comprenez, code bateau. Yo. Donc, Haïti était producteur de pitre, de cisale. Et puis, ils ont découvert le nylon, entre-temps. Et puis, ils ont quitté là avec pile pit, nous, on n'a pas rien avec eux. En tout cas, donc, c'est une grande décision. Oui, et oui, Haïti voté et donc en faveur du Venezuela. Oui, oui. Et côté que tu as une séance et objectif là c'était écarter le Venezuela en fait, de l'OEA. De l'OEA. Alors Haïti, chose drôle qui paraît. Haïti proposition, la République dominicaine votait pour contre en fait. Que mettre Venezuela dehors. OK. Là on les votait pour embargo, et Salvador votait et pour embargo, Haïti voté contre. Nicaragua voté pour. Ok, pour nous et pour supporter Venezuela. Rien de l'autre pays encore. Non, moi-même, je crois que c'est Bolivie. C'est un vote de grand courage que nous devons féliciter, mais aussi locaux. Mais là, il faut quand même donner le crédit à Jovenel Moïse, qui est le président de la République. Oui, mais bien sûr. Son ambassadeur n'a pas qu'à prendre des décisions. Non, c'est le président qui donne le ton. C'est le président qui a donné le ton. Le président, c'est chef de diplomatie. Hein. Jovenel Moïse, je dis. Hein, le président, c'est chef. Il prend responsabilité en face. Les Américains. Mais non, mais non, les documents tout que ah oui. Déclaration et ambassadeur Haïti à l'OEA, monsieur Dupoyaman et envoyé spécial là, bien non, monsieur Amaro, bien Saltea, et monsieur Pat, il n'y a pas
distribuer documents en français. En français, oui, non, mais c'est. Donc, on n'a pas connaissance. Non, quand on dit ça, là, justement. Je vais tester comme ça. C'est. Il n'y a pas. Document, il n'y a pas en français. Il n'y a pas en français. Il était en trois autres langues, donc il n'y a pas en français. Il n'y a pas connaissance document. Il faut nous reconnaître, tout même si c'est Jovenel Moïse, en tant que président, qui a une ligne directive. Par exemple, le président qui a fait ça, non, chef. On est avec Arvel Jean-Baptiste. Non, monsieur. Là, on est avec Alphès, on est qui fait là. Il faut le découvrir. Non, écoutez, monsieur fait job par là. Monsieur fait job lui en tant que haïtien. Mais faut me donner Jovenel Moïse, moi-même cadeau pour moi-même dernier président pour moi-même que me attendre que ça c'était non c'est bon c'est assez monsieur mais ou gen maniga qui était récent campé OK en face les américains maintenant ça lui a coûté quand même le pouvoir mais c'est absolument mais anachronisme dans l'histoire maintenant je dis là Jovenel Moïse prend décision ça OK il fait que en fait il fait que Haïti voter pour le Venezuela. Il faut qu'il attende la conséquence. Non, mais tout de suite, vous déjà dans nos pays là. Ah oui, non, il y a très lourd. Nous sommes en politique. Pas grave, ce sentiment-là. Non, mais hier, on est sur une fin de faire intervention, ça. On a un ami qui dit ça que, mais RFI a annoncé position Haïti, mais ceci, mais cela bas. Et puis, subitement, sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on pétition paraît, il y a besoin de 500 000 signatures pour TPS. Et qui ça en TPS, Yeluko? C'est Temporary Permit Stay. Yes. OK? Ou c'est un permis temporaire pour rester aux États-Unis. Il y a besoin de prolonger Temporary Permit Stay. Mais il y a le PPP, Permanent Permit Stay. En tout cas, on va voir. Ça, c'est un dossier qui était ouvert. Donc, on a gardé ça. Donc, c'est social FM. C'est du chantage. Américain, t'as fait chantage à peu près ici, messieurs. OK? Non, Jovenel Moïse a décidé. Jovenel Moïse a décidé autrement. OK? Compliment, président. OK? Le président a décidé. Point barre. La petite pause. 90.5. Signal FM 90.5. La nouvelle dimension. Dans un instant, les infos sur Signal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est de retour pour le deuxième bulletin d'information de la journée sur l'antenne de Signal FM. Le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, a effectué hier mardi une visite guidée dans trois centres hospitaliers de la région métropolitaine afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux ainsi que les conditions de fonctionnement de certains d'entre eux. Accompagné du ministre de la Santé, Dr Marie-Greta Roy Clément, et du ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, Dr Max Rodolphe Saint-Alban, M. Moïse a visité l'hôpital Simbi Continental en construction où 80% des travaux ont été effectués sous le règne du Premier ministre Laurent Lamothe qui se trouve à Fontamara 27. A eu la première visite très tôt dans la matinée. M. Jovenel Moïse a fait savoir que des fonds vont être décaissés pour terminer les travaux et monter une bonne structure pour diriger cet hôpital afin d'offrir aux policiers des soins plus efficaces et rapides. Comme je l'ai annoncé à la graduation des policiers sortants à l'École nationale de police lundi matin, je veux que les policiers aient un hôpital militaire capable de leur donner des soins rapides, car nos forces de l'ordre sont des personnes très précieuses dans le cadre de sécurité d'un pays. Et je tiens à souligner que je ferai de mon mieux pour doter cette institution policière d'un espace de santé propre à elle-même, a déclaré Jovenel Moïse. Et puis depuis 4 jours, le président Jovenel Moïse, qui ne semble vouloir perdre de temps, a déjà procédé à 47 nominations, incluant 10 nouveaux directeurs généraux mardi. Notez que sur 29 nouveaux directeurs généraux, Jovenel Moïse a nommé jusqu'à présent seulement 5 femmes, soit 17%. Yolette Mengual au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, Myrto René à la condition féminine, Maggie Durcet à l'Institut National de Formation Professionnelle et Tessa Jacques au Centre de Facilitation des Investissements et Magali habitant au service métropolitain de collecte des résidus solides. Maintenant, voici les directeurs généraux qui ont été nommés hier par un nouvel arrêté. Le citoyen Jean-Claude Dipierre a été nommé directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Stevenson Jacques Timoléon a été nommé directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Lauré Adrien a été nommé directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population. Le citoyen Irvine Mehu a été nommé directeur général de l'Autorité aéroportuaire nationale.
Le citoyen Olivier Jean a été nommé directeur général de l'Office national de l'aviation civile. Le citoyen Hervé Pierre, lui, a été nommé directeur général de l'électricité d'Haïti. La citoyenne Tessa Jacques a été nommée directrice générale du Centre de facilitation des investissements. Le citoyen Guito Edouard a été nommé directeur général de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, DINEPA. Et la citoyenne Magali Habitant a été nommée directrice générale du service métropolitain de collecte des résidus solides, SMCRS. Le citoyen Dieudonné Bruno a été nommé directeur général du service maritime et de navigation d'Haïti, SEMANA. Un petit coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Quelques 146 migrants sont portés disparus après un nouveau naufrage au large de la Libye, selon le récit livré ce mercredi à l'ONU par le seul survivant, un jeune Gambien secouru apparemment par hasard en mer. Il venait du Nigeria, de Gambie ou encore du Mali. Il y avait parmi eux 5 enfants et plusieurs femmes enceintes, a raconté cet adolescent de 16 ans à un représentant du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à l'hôpital de Lampedusa, l'île italienne la plus proche des côtes libyennes. Le canot est parti dimanche ou lundi de Sabratha dans le nord-est de la Libye, mais a commencé à prendre l'eau au bout de quelques heures. Le jeune Gambien a raconté avoir survécu en s'agrippant à un bidon d'essence. Et c'est un navire militaire espagnol de l'opération européenne anti-passeur Sofia qui l'a tiré de l'eau avant qu'une vedette des gardes-côtes italiens vienne le conduire dans la nuit à Lampedusa. C'est pratiquement la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre attention.